je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé et Épanouie. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Pour ma part, j'ai fait une petite coupure avec les vidéos pour pouvoir prendre quelques jours de repos. La saison estivale se termine et j'aimerais vous partager aujourd'hui une recette de roux cake, un gâteau sans cuisson à base des dernières fraises et framboises de saison. J'espère que vous apprécierez la recette. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Je commence par réaliser le biscuit du cake à base de sarrasin germé, d'amandes trempées et déshydratées. Vous retrouverez tous les détails des ingrédients et les déroulés de cette recette de biscuit cru dans la vidéo des tartelettes fraises rhubarbe épinglées ci-dessus. Vous pouvez bien entendu remplacer cette base de gâteau par une autre recette cuite, par exemple des biscuits petit beurre écrasés et mélangés à de l'huile de coco ou du beurre. Mais dans ce cas, l'apport calorique de votre cake ne sera pas le même. Quel est donc l'intérêt de consommer des gâteaux sans cuisson, dits crus? Ce type de pâtisserie n'est pas très commun dans nos habitudes alimentaires et peut en rebuter certains car la texture est très différente des gâteaux que l'on consomme habituellement. Cependant, l'avantage de certains gâteaux crus est leur qualité nutritionnelle, mais aussi leur fort pouvoir de satiété, donc on en consomme moins. Lorsqu'ils sont réalisés avec des ingrédients de qualité, des graines et oléagineux dits activés, combinés à des fruits secs, cela ralentit l'assimilation dans l'organisme du sucre naturellement présent dans les fruits séchés. Il est donc recommandé de les combiner. Dans un gâteau sans cuisson, vous bénéficiez d'une grande partie des vitamines et minéraux contenus dans les graines germées, oléagineux, non grillés, fruits frais, fruits secs, utilisés dans la réalisation de vos recettes. En effet, la cuisson au-delà de 70 degrés altère la majorité des vitamines et minéraux, mais aussi augmente considérablement les calories de vos pâtisseries et de plus, on a tendance à en consommer plusieurs parts, à se resservir et donc à consommer trop de calories. Une part de gâteau cru réalisé à base d'oléagineux, de graines simplement trempées ou germées, est un excellent moyen de se faire plaisir avec modération en faisant profiter à son corps de tous les bienfaits contenus dans les noix, très riches en manganèse, cuivre, phosphore, magnésium, zinc et surtout en acide gras oméga-3, mais aussi dans les amandes, très riches en acide gras monosaturé, en vitamine E. C'est une très bonne source de fibres également et de protéines végétales. Les noix de cajou, riches en protéines, le sarrasin germé, riche en oligo-éléments, vitamine C, etc. Le fait de ne pas soumettre ces préparations à la cuisson par des températures élevées permet donc de profiter d'une grande part de ces éléments nutritionnels tout en mangeant des quantités raisonnables. Je tasse bien la préparation afin de répartir le biscuit de façon uniforme dans le moule. J'insiste sur cette étape qui est importante pour la stabilité du gâteau. Vous pouvez utiliser un verre pour bien répartir la pâte dans le moule. J'ai réalisé le double de la recette pour préparer de petites boules d'énergie avec le reste du mélange pour les enfants. Je place le moule au frais quelques minutes. Pendant ce temps, je vais réaliser la crème de fraises framboises. Il faudra 300 g de fraises, 200 g de framboises, 200 g de crème de coco, 200 g de graines de tournesol, 150 ml de lait d'amande, 3 cuillères à soupe d'agar-agar en poudre, le jus d'un citron, 80 ml de sirop d'érable, le zeste d'un citron, j'ai utilisé un citron Combava, quelques framboises fraîches. Je place tous les ingrédients dans le bol d'un mixeur, sauf le lait d'amande et la poudre d'agar-agar. Pour le mélange de graines de tournesol, je précise que les graines de tournesol ont été trempées une nuit, puis rincées à l'eau claire. Je n'avais plus assez de graines de tournesol, j'ai donc utilisé un mélange de 97 g de graines de tournesol et 63 g de graines de chanvre.
Je mixe de façon à obtenir un mélange lisse. Je rajoute de la poudre de betterave. Cette étape est facultative, je le fais juste pour accentuer la couleur rose de ma crème. Il est important de goûter afin d'ajuster le goût de votre préparation. Ici, je rajoute la poudre d'agave car je ne trouvais pas la crème assez sucrée. Je mixe à nouveau quelques minutes. Je coupe les framboises entières en deux. Je les colle sur les parois du moule comme un fraisier. Je n'avais pas assez de framboises pour tout le moule, alors j'ai complété par trois fraises. Il est important de bien serrer les framboises les unes à côté des autres. Je verse le lait d'amande dans une casserole. Je rajoute la poudre d'agar-agar et je mélange à froid à l'aide d'un fouet. Je place la casserole sur une plaque de cuisson et je porte le mélange à ébullition tout en continuant de mélanger. En effet, l'agar-agar est une algue qui active son pouvoir gélifiant au-delà de 100 degrés. Je laisse bouillir 1 à 2 minutes après ébullition. Puis je verse directement ce mélange sur la préparation dans le blender. Je mixe pour mélanger la préparation. Et je verse une part de la crème dans le moule. Cette étape est facultative. J'ai rajouté des fraises fraîches dans le fond du gâteau. Je les ai ensuite recouvertes du restant de crème. Lorsqu'il me reste de la crème, je la répartis dans des pots de yaourt pour en faire des crèmes dessert pour les enfants. J'essaie de tasser pour que la crème se répartisse bien dans le moule. J'utilise un cure-dent pour percer les petites boules qui se sont formées sur le dessus de la crème. Ceci est facultatif, c'est juste esthétique, je préfère cela ainsi. À cette étape, votre cake est terminé. Vous pouvez le placer au réfrigérateur environ 1 heure, le temps que l'agar-agar prenne avant de le servir. Moi, je passe à la déco car j'adore ça. J'utilise des fraises séchées pour décorer le cake. J'ai fait sécher des framboises également, puis j'ai réalisé une poudre de fraises et framboises que je saupoudre sur le cake. Et voilà, je place le cake 1 heure au frais. Bon, je vais tenter de démouler le gâteau. On va voir ce que ça donne.